Maintenant, on a un jour pour préparer cette finale. On va se concentrer sur nos points faibles contre l'Allemagne. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il faut qu'on les corrige si on veut gagner ce match. Ce ne sera pas facile, parce que l'Espagne est une équipe avec beaucoup d'expérience. Elle a gagné l'Euro en 2008, la Coupe du Monde en 2010, et elle est de nouveau en finale cette année. Tant sur le plan technique que mental, c'est un modèle à suivre. Mais nous aussi, on a une bonne équipe. Donc pour dimanche, je pense que c'est du 50-50.